Bonjour, les gens. J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Est-ce que la musique est un peu forte ou pas? C'est pas de ta musique que je parlais, Randall, voyons. Tu pouvais laisser, je ne sais pas ce que c'était, Christophe Rippert ou une connerie comme ça. Non, ça va, vous entendez pas trop la musique, parce que moi j'ai le retour dans le casque qui est vachement plus fort, donc on va peut-être la mettre un tout petit peu plus forte. Alors, Tetrobot & Co., pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau jeu de Swing Swing Submarine, donc les gens qui avaient fait Block That Matters. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que le scénar de Tetrobot & Co., si j'ai bien compris, parce que j'ai pas joué, c'est qu'on va réparer les robots de Block That Matters, en fait. Bah écoute, on va cliquer là-dessus, hein, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, donc ça c'est un... Un robot de Block That Matters pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui ressemble un petit peu à des petites machines à laver comme ça. Ok, vas-y. Je clique un peu au pif, hein, c'est la première fois que je lance le jeu. Ok, plutôt sympa la petite cutscene dessin animé. Plutôt stylé. Donc voilà, en gros, là, si j'ai bien compris le trip du jeu, on va jouer voilà, le petit robot rond qui est en gros à l'intérieur du gros robot du. Moyen robot carré pour le réparer. Alors, vous m'excusez 2 secondes parce qu'il y a mon chat qui s'est évaporé pour une raison qui m'échappe un petit peu. Alors je sais pas si on va jouer toute l'heure là-dessus parce que j'aimerais bien aller voir ce qui se passe chez Jeff le poulet aussi, mais on verra. Ça dépendra à quel point. Oula, la musique m'a l'air d'être un peu forte par contre là. Donc voilà. Alors le jeu au début m'a dit de prendre une souris pour avoir l'air intelligent. Donc j'ai pris une souris pour avoir l'air intelligent. Donc j'imagine que ça se joue à la souris. Ok, donc je clique et le robot va là. Est-ce que je meurs si je... Ok, visiblement il est impossible de mourir, mais bon, l'électricité c'est visiblement pas très fun. Alors comme ce truc clignote, j'imagine qu'il faut y aller. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Ok, donc a priori c'est un jeu d'énigmes. Pour ceux qui n'ont pas suivi du tout. Donc voilà, là les petits interrupteurs, quand je passe, je vais les allumer. Comme t'as le même symbole sur le truc, ça les active. Jusqu'ici, c'est très facile à prendre en main. Donc là, il y a un petit éclair qui me bloque le chemin, que je vais aller désactiver là. Effectivement, tu as raison, Popcorn, il est plutôt pas con ce robot. Sauf qu'évidemment, là, le chemin le plus court, c'était pas le chemin le plus malin. Okay. J'apprécie le fait que t'exploses pas lorsque tu te manges les trucs de foot parce que finalement ça fait son travail, c'est-à-dire t'indiquer que c'est pas par là qu'il faut aller, mais au moins tu crèves pas quoi, et ça t'oblige pas à recommencer, ce qui est plutôt cool. Plutôt cool. Ok, donc là nous avons un rayon plus qui nous bloque et j'ai rien pour le désactiver à moins que j'ai raté un truc, donc on va aller par là. Ok, le truc doré là j'imagine que c'est un truc intéressant parce que généralement les choses dorées c'est intéressant. Okay, donc là, j'ai désactivé l'éclair qui était là pour me bloquer le passage. Bah écoute, on va continuer. Toujours pas d'interrupteur avec la croix de tout à l'heure, c'est bizarre. Okay, là, donc là, on a l'interrupteur lune qui me semble était celui-là, voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert ça, mais c'est doré donc je vais les prendre. On va aller par là. Ça me dérange un peu d'avoir. Ok. Relativement easy ça. Là, ce tourbillon, je pense que ça doit être la sortie. Il reste un bloc doré là-haut. Est-ce que. Je peux pas passer. Ok, je peux les choper. Ah bah elle est là, ma croix. Ok, ça m'ouvre la sortie, mais est-ce que ça m'a ouvert le truc qui me bloquait le chemin tout à l'heure? On va aller voir. Hein. Ça coûte rien. Ça coûte rien d'aller voir. Donc on va retourner là. Il me semble que c'était par là. Je sais pas ce que c'est le vieux glavio rouge là qui traîne. Donc voilà, ça m'a ouvert le chemin. Et donc là j'ai les 3 trucs dorés, qui ont l'air de s'imbriquer les uns dans les autres, mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Écoutez, on verra.
La sortie, c'était à droite ou à gauche? Il me semble que c'était à droite. Hein. Allons par ici. Ah, avancer un peu trop vite là. Voilà. Ok. Ok, donc si j'ai bien compris, en gros tu peux sortir sans les blocs jaunes, mais si tu les sors, t'as le truc parfait. Je pense, hein. Je peux me tromper. A bot on his block. Référence à The Boy and His Blob, j'imagine. Ok, donc là. Ok. Ok, donc la gravité est un peu spéciale vu que ceux-là sont pas tombés pour une raison qui m'échappe un petit peu. Ok, je peux pas reprendre ceux qui sont au-dessus ou en dessous seulement quand ils sont en face. Ok. Alors là, nous avons un levier qui va faire tomber ce bout de bois sur ma sortie, mais a priori ça devrait pas trop me gêner. Voilà. Ah, tiens, apparemment je les garde en dessous les blocs. Les blocs jaunes permettent de débloquer les mondes suivants. Ok. Donc apparemment je les garde en dessous les blocs, je sais pas trop à quoi ça va me servir, on verra plus tard. Hein. Ok, donc là je me suis bloqué l'accès au truc jaune, ce qui est un peu gênant, mais vu que le levier là devrait ouvrir ce passage, je pense, voilà. Ce qui devrait résoudre mon problème. J'ai l'impression que j'ai pas une si mauvaise portée pour choper les blocs. Ok, ça je sais pas ce que c'est quoi? Ok. Ok, donc ça c'est un interrupteur que j'active en mettant mon petit robot dessus. Ok, donc ça sert à rien. Ça c'est un truc violet, je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, donc ça c'est un truc qui va bouffer tout ce que j'ai dans mon inventaire, entre guillemets. Ok, alors là évidemment, je peux sortir direct. Mais je peux également chercher à prendre ces blocs dorés. Donc toi, si je te prends, est-ce que les autres, ça pète la gueule? Ok, donc il s'accroche par bloc de 2, visiblement. Ok, c'est curieux, mais pourquoi pas. Je vais bouffer cela. Normalement, voilà, il devrait tomber. Toi, je vais te bouffer. Ah merde, je suis plein. On va mourir, toi. Non, c'est pas là que je veux aller, mec, c'est ici. Ok. Et là, on récupère notre machin doré. J'en ai que deux, d'ailleurs. Donc là, a priori, je devrais pouvoir sortir, sauf que je vais aller voir par là ce qui se passe. Ok, alors là, nous avons notre bloc doré qui est. Donc a priori, si ça marche par deux, je peux prendre ça sans que ça se pète la gueule, ok? Ok. Donc si je prends celui-là, lui, il va tomber, mais il va tomber trop bas. Quoique. Est-ce qu'en tombant, le machin va s'accrocher aux autres? Bah, écoutez, on va regarder. Effectivement. Ok. Donc ouais, c'est un peu space ça, mais c'est pas si con en fait. Parce que moi j'aurais pensé que le bloc serait tombé jusqu'au fond en fait. Mais en fait les blocs vont se coller les uns sur les autres. Ok. Voilà, sortie. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Est-ce que j'ai une montre quelque part pour savoir quelle heure il est? Ouais. Alors un nouveau niveau. Donc là il y a un tuyau dans lequel je peux pas aller, donc faut pas que j'oublie qu'il est là. Peut-être que je pourrais y revenir plus tard. Ok, là on a deux interrupteurs. Ok. Ok. Cracher les blocs avec le second bouton de la souris. Je peux pas passer. Ah ok. Grillage, vous ne passerez pas. Est-ce que je peux te choper d'ici? Ok, ouais, donc je peux vraiment choper de super loin en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse aspirer les blocs d'aussi loin. Donc là, il faut que je trouve un interrupteur triangle. En voilà un. Faut mettre un cube dessus, j'en ai pas pour l'instant, donc ça
Ok, donc ça je peux l'ouvrir, mais ça me sert à rien pour l'instant, a priori. Ouais. Ok, là j'ai un bloc, je vais le prendre. Donc là ce qu'il faudrait c'est que je crache le bloc là-haut. Évidemment, ah, il va le cracher trop loin. Obviously. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est plutôt le cracher là. Voilà. Voilà, ok. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Non, j'ai pas essayé l'Early Access de Might and Magic 10 parce que j'en ai eu d'assez mauvais retours pour l'instant. Pas sur le jeu, mais sur l'état de l'Early Access. Donc, je me suis dit que ça valait pas le coup pour l'instant d'y aller. J'attendrai de voir comment ça évolue. J'ai failli oublier qu'il y avait ce truc-là. Ah bah bien sûr. Voilà, donc évidemment, pas oublier de revenir en arrière. Toi, je vais te prendre, on sait jamais, ça peut servir. Pour choper tous les trucs. Mais là, du coup, faut que j'aille réactiver l'interrupteur triangle qui était là. Meurs foutre là pour le faire tomber. On redescend. Et en route. Il me manque encore un machin jaune. Bon, ça, en l'occurrence, j'ai rien sur moi, mec. Donc ça sert à rien. Ok, un tuyau qui va en haut, un qui va en bas. On va aller en haut, vas-y. Ok, ces caisses-là, je sais pas trop ce qu'elles foutent. Sable! Pourquoi pas? Si je fais ça, nice. Bon, le problème des. Ça, c'était pas très malin de ma part. On va ressortir. Donc, le problème du rayon laser à régler. Est-ce que je peux choper les deux d'ici? Oui, c'est cool. On va redescendre. Ok, donc ça, visiblement, faut que je mette 4 blocs de sable dedans. Pour l'instant, je vais les garder, on sait jamais, j'en aurai peut-être besoin pour une autre énigme plus tard. Genre là. Parfait. Toi, reviens. Toi, viens là. Voilà qui est fait. Et puis là, on va foutre nos quatre trucs dedans et on va voir ce qui se passe. Hein. Ouais, bah c'est la sortie. Ok. Alors là j'ai un interrupteur de sable et un interrupteur. Ok. Pour l'instant c'est relativement easy. Ok, Popcorn, je te fais confiance à ce sujet. Voilà. Tiens, un truc que je me pose comme question, si je le balance là, est-ce qu'il va coller à celui qui est au-dessus? Ouais, ok. Donc là, faudrait juste que j'en trouve un de plus en fait. Je peux pas envoler un de ceux-là, malheureusement. Ou si je... Ah bah si, j'en ai encore sur moi, je suis con, putain. Ouais, c'est pas le bon, ça. Ouais. Décidément. Voilà. Ouais, Buster, je viens de voir, j'avais pas grillé que mon inventaire était encore là en fait. Ah, j'aurais dû le reprendre, quoique non, je pouvais pas. Interrupteur lune. Est-ce que je peux shooter aussi loin que ça? Aïe. Il faudrait que je. Ouais. Ok. On va te lancer d'abord toi qui va te coller là et ensuite toi qui va te coller dessus.
Je vais peut-être te récupérer, toi on sait jamais, tu peux servir plus tard. Et puis de toute façon, j'ai pas besoin de repasser là pour l'instant. Ouais, de toute façon, ils vont me les choirable. Ah non! C'était pas ça que je voulais faire. Ah, ça c'est cool, t'as un petit bouton cancel qui te permet de revenir au début de la. Je peux pas le crasher à travers le grillage, bon bah tant pis. Je voulais voir si je pouvais crasher le bloc à travers le bloc à travers le grillage, voir si je pouvais pas le coller là pour éviter de me le faire chourer par ce machin-là. J'ai pas été bien attentif là, c'est quel interrupteur qu'il faut que je trouve? Ok, il faut que je trouve un bloc de sable pour ouvrir ça là. Okay. Question toute conne que je me pose. Est-ce que je peux revenir encore en arrière là? À quel point on peut revenir en arrière? Ouais, c'est pas con du tout ce que vous dites. Effectivement. C'est ça que j'aurais dû faire. Bien vu, bien vu. Ok, alors ça je sais pas ce que c'est par contre. Par là il y a quoi? Il faut deux blocs de bois, ok. Ce truc là je ne sais pas ce que c'est, là il me faut un bloc gris visiblement. Interrupteur étoile, donc nous avons un bloc gris là. Qui va tomber là. Ce qui m'arrange pas exactement mais bon. Toi, je te chopperais bien, mais quelque chose me dit que t'es pas là par hasard. Là, le problème, c'est que si je prends le bloc de bois, lui, il va tomber là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui là, je vais me mettre là, le cracher ici. Là, je prends le bloc de bois. Voilà, lui, il devrait coller. Voilà. Normalement, je devrais avoir tout ce dont j'avais besoin. Là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un bloc gris là. Et un deuxième là. Ah ok. Récupérer ça parce que je pense que le laser il doit me faire bien mal au fion aussi. Ok donc c'est la molette pour surfer dans l'inventaire pour sélectionner le truc qu'on veut. Ok. Deuxième machin doré. Deuxième machin doré, on va monter maintenant, je crois que c'est la seule direction dans laquelle je peux aller. Ok, là on a un laser là. Est-ce que le laser détruit les cailloux? Enfin les blocs gris. Ça a pas l'air. Ce qui m'arrange fort bien. Et voilà qui est fait. Oui, effectivement, le pathfinding a l'air moins pourri que dans Baldur, c'est clair. Ok, eh bah ça avance plutôt bien. Donc je. C'était pas ça que je voulais faire, je voulais le bloc de sable, moi voilà. Eux ils vont se coller, ok donc c'est exactement ce que je m'attendais. Oui j'ai rien sur moi donc voilà. Ah bah il y a déjà la sortie là dis donc. Bon on va quand même essayer d'aller chercher nos petits blocs dorés. Ok donc là j'ai intérêt à venir avec les poches pleines visiblement. On va voir ce qui se passe en haut. En train de jouer à Tetris. Alors, toi, je vais pas avoir de problème à te prendre, toi non plus. Voilà. Voilà. Alors. Il va falloir qu'on les crache de là-haut. Hein. Le problème, c'est que je vais pas en avoir assez. Est-ce que j'en ai assez là? Oui. Hein. On va donc faire sable, bois. Sable et bois. Voilà. Au passage, vous allez venir avec moi parce que je
Je crois que je vais avoir encore besoin de votre aide. Voilà. Combien il m'en fallait en bas? Je sais pas s'il m'en fallait 4 ou plus. Je vais voir. 1, 2, 3, ok, il m'en faut 4. Donc là, on va faire sable, bois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mauvaise manipulation de ma part. Bois. Deuxième bois. Ok. Ouais, là le problème c'est que si je récupère l'autre en dessous, évidemment lui il va se péter la gueule. Bon, déjà je vais pas remplir ça parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Comment je vais me démerder là? Il va sans doute me falloir un bloc de plus. Ouais, je pense qu'il va me falloir un bloc de plus là. Où est-ce que je vais trouver un bloc de plus? Ouais, si je descends, c'est pas une bonne idée. Est-ce que je peux en récupérer celui-là déjà? Non, c'est très con ce que je viens de faire. Donc vous devriez coller, du coup je devrais pouvoir récupérer mes blocs de sable là. Voilà. Ouais, Moondog, je m'approcherai pas du contenu de l'extension avant au moins le niveau 7. Je me demande si c'est pas complètement idiot ce que je viens de faire. C'est fort possible. Parce que là, pour le coup, mon sable, je vais pas pouvoir le mettre là. Ah non, c'est idiot ce que je viens de faire. J'en ai absolument aucune idée, Lotissa. Ouais, le jeu est pas cher sur Steam. Il est à 9 € et en plus, si tu l'achètes cette semaine, il me semble qu'en plus, ils te filent leur précédent jeu, donc Block That Matter. Donc, plutôt cool comme offre, hein, je dirais. Alors, réfléchissons un peu. Voilà, placer ces deux blocs-là, c'est pas un problème. Mais placer les deux autres, ils doivent être un petit peu gênants. Ouais, en fait, le dread, le scénario de ce jeu-là, c'est que t'es à l'intérieur d'un robot de Block That Matter, en train de le réparer, en fait. Alors vous me disiez que c'était possible de faire celui-là avec seulement 4 blocs? Comment je vais m'y prendre? J'ai du mal à voir. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ouais, mais du coup, là, si je prends le sable, là, il se pète la gueule. Le sable a pas une propriété gravitationnelle que j'aurais ignorée, hein. Il se pète la gueule aussi si je l'enlève. Ouais. Ouais, de toute façon, eux, c'est pas là que le problème va venir. Est-ce que le truc s'active si les machins tombent dessus?
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit faisable avec aussi peu de blocs, hein. À mon avis, il aurait fallu que je conserve un des blocs du début. Ouais, mais une fois que j'enlève les blocs de sable, à deck, les blocs de bois vont se péter la gueule. Regarde. Je te montre. Et à mon avis, il m'en manque un. Parce que là, il est bien placé, mais une fois que j'enlève ça, lui, il tombe. Je vais essayer de recommencer le niveau juste pour voir si j'ai pas oublié un truc au début. De toute façon, c'est pas un niveau qui est très long. Mais à mon avis, j'ai dû rater quelque chose au début. Donc lui, il me vole à rien, parce que de toute façon, j'ai rien sur moi. Ouais, mais pourtant, je crois pas avoir raté quoi que ce soit. Hein. Là, j'ai bien ces quatre blocs-là. Ah, du coup, c'est juste que la solution doit m'échapper, quoi. Viens là, toi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Ok. Donc ça règle ce problème-là. De toute façon, ils doivent être faisables avec 4 blocs parce que de toute façon, je vois pas de moyen d'en avoir plus ici, donc. Ouais, mais ça c'est idiot parce que je peux pas placer le dernier. Ok. Moi, je vais me démerder pour foutre le dernier au-dessus. C'est idiot ce que je fais. Ok. Toi, je vais te mettre là. C'est que même si je te récupère, toi, je vois pas comment je te colle en haut. Parce que là, tu vas pas. Si je te balance, est-ce que tu colles direct? Ok. C'est plus simple que je croyais en fait. J'avais pas capté qu'il allait s'arrêter dans la zone intéressante. Ok. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va aller en bas. Donc, du coup, logiquement, si je les lâche, ils devraient s'arrêter là-dedans. Donc, c'est ce qu'il faut que je fasse. On peut pas tirer en rafale, j'imagine. Non, en fait, Liane, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse les deux blocs et qu'en fait, ils vont s'arrêter peut-être là-dedans, j'en sais rien. Ça vaut le coup d'essayer. Alors attends, ce que je voudrais faire. Ouais, non. Ça m'arrange pas parce que je peux pas récupérer ceux qui sont derrière après. Toi, si je te. Non, c'est pas toi que je veux. C'est le bloc de bois que je veux. Si je te balance, là, tu t'arrêtes pas dans le truc, ouais. Évidemment. Ouais, ça m'arrange pas des masses. Ouais, je peux pas les figer là-dedans en fait.
Non, je les balance pas assez vite en fait, et quand ils tombent, ils passent à travers, donc... Ouais. Ouais, c'est franchement idiot, mon vieux. Alors, 2 secondes. C'est l'heure de la pilule magique. Viens là, toi. C'est ça que je veux. Ok. Plutôt cool la musique. C'est important en plus d'avoir une bonne musique dans ce genre de jeu, si t'as tendance à te prendre la tête pendant 3 heures quand tu joues. Et du coup, si t'as une musique chiante, ça peut vite taper sur les nerfs. C'est pareil dans les jeux genre Civilization auxquels tu joues pendant 5 heures d'affilée. Si la musique est pète couille, bah ça pète vite les couilles. Évidemment, si je gobe ça, eux ils tombent. Ouais. C'est bien ce qui me gêne. Parce que en faire tenir deux, c'est pas un problème, mais comment je récupère le dernier? Ouais, si tu commences, si tu débutes Civilisation, le 5 avec les extensions, ça fait le job généralement. Ouais, je sèche un peu là sur cette énigme. Ok, je vois où tu veux en venir. Ça m'a l'air suffisamment étrange pour fonctionner. Viens là, toi. Ok, donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça et ça. Ouais, non, il est pas assez rapide. Il est pas assez rapide, le Lascar. Mais c'était bien vu quand même. Je me mets en dessous, il se passe quoi? Ah, ça par contre, c'est débile. Bon, je crois que j'ai pigé comment on va faire.
J'avais pas réfléchi à ça. Merde, je suis con, j'ai oublié. J'ai oublié de cracher l'autre. Mais bon, je pense que c'est ça la solution. On va voir là-bas si j'y suis. Ok. Je crois que j'ai tout là, ouais. Ouais, finalement c'était plus simple que j'aurais cru. On avait juste oublié de prendre en compte le fait que qu'on puisse mettre les blocs sur le robot. Je pensais que ça lui aurait fait mal. Je pensais que ça lui aurait fait mal de se prendre les blocs sur la tronche. En fait, non. Ce niveau est doré, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là il y a une grosse clé dorée. Généralement, c'est une bonne idée de ramasser les grosses clés dorées. Ah, c'est une seule pièce ce niveau, tiens. C'est marrant, tiens. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ramasser, ou du moins autant que je peux. Alors. Si je me rappelle bien, lui il devrait s'arrêter normalement, voilà. Ce qui devrait me permettre de construire au milieu. Voilà. Tout va venir là pendant que tu y es. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Alors ma question c'est si je t'enlève, est-ce que vous vous tombez? Oui, ok. Bon, ça va. La musique, par contre, elle est un peu space ici. C'est pas toi que je voulais. Quelque chose me dit que toi, je vais pas te vouloir là, en fait. Là, toi, viens ici, là. Est-ce que je peux pas coller plutôt du bois ici? Ça m'arrangerait. Pas ça que je voulais, c'est ça. Ici, évidemment, le problème, ça va être le dernier bloc. Parce qu'évidemment, toi, si je t'en vire, tout se pète. Si je t'enlève, tout se pète la gueule. En fait, j'aurais dû faire ça de l'autre côté, ok. Non, c'est pas par là que je veux aller, mec, c'est par ici. Ok. Toi, je te veux là. Viens, toi, casse-toi, là, tu me gênes. Toi, je te veux là. Toi, je te veux là. Toi, je te veux ici. Et toi, je te veux là. Easy ce level par contre.
Bah, en même temps, parfait, il n'y avait rien à ramasser ici, heureusement que c'est parfait. Ok, donc ça c'était le premier level. Ok. Bon, du coup, là, vu qu'on a fini le premier level, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe chez Jeff. Alors, comment on quitte ce jeu? J'imagine que c'est ce bouton-là. Hein.